Depuis 2013, l'Arène Île-de-France développe un projet de prospective baptisé « Pour une démocratie contributive dans les projets de transition écologique d'ici 2025 en Île-de-France ». Suite à la parution d'un état des lieux des pratiques contributives en Île-de-France en 2014, un cycle de 5 ateliers prospectifs a été réalisé. Il a abouti au scénario régional que voici. Aujourd'hui, la société civile s'organise autour de collectifs et de communautés engagées activement dans la transition écologique du territoire. Grâce aux revenus contributifs, aux congés de participation et aux services citoyens, mon fils aîné et moi, nous nous sommes engagés dans des projets dans notre quartier. Les entreprises aussi contribuent aux projets d'intérêt général en mettant du personnel qualifié à disposition. C'est le mécénat de compétences. D'ailleurs, dans son entreprise, mon épouse travaille au développement des démarches sociétales. C'est passionnant. Son entreprise s'engage dans un véritable ancrage territorial. Un autre de leurs objectifs est de s'inspirer du modèle coopératif qui s'est pas mal généralisé ces dernières années. Ainsi, chaque salarié peut avoir une participation active à la vie de son entreprise. Avec la plupart de mes amis, nous faisons partie de collectifs citoyens qui diffusent un modèle d'éducation populaire et de partage de pratiques de savoir et d'expérience. Ce sont des groupes intergénérationnels avec des citoyens d'origine variée, d'âge divers et aux compétences multiples. Nous travaillons et échangeons sur le terrain ou en ligne par des outils numériques collaboratifs. Ces échanges permettent à chacun d'entre nous d'entrer dans l'ère du « fais-le toi-même » et d'une économie du don et du partage. Nous sommes porteurs de nombreuses initiatives de terrain avec des partenaires publics et privés. Enfin, dans ces collectifs, nous valorisons l'ouverture au monde et l'échange culturel avec le développement d'un programme Erasmus tout au long de la vie. Notre rôle d'élu locaux a évolué vers une mission de médiation. Je suis notamment chargée de réorganiser les services de ma collectivité de façon à favoriser une co-élaboration des projets avec les acteurs du territoire. Notre principal interlocuteur est le Parlement mixte local. Il regroupe des représentants de l'ensemble des acteurs du territoire qui sont tirés au sort au sein de 3 collèges, ceux des élus, du monde économique et des citoyens. Ce Parlement joue un rôle central pour orienter les moyens de la contribution vers les initiatives de terrain et pour évaluer les politiques publiques. Il fonctionne en totale transparence et dispose de moyens propres. Notre Parlement a d'ailleurs décidé de créer une maison des projets d'avenir qui est son bras armé en matière de contribution. Elle permet de repérer et de soutenir la mise en œuvre de projets individuels ou collectifs pour une production locale et innovante. C'est en particulier un excellent interlocuteur pour les collectifs citoyens. Notre objectif est de généraliser le repérage et l'essaimage des meilleures pratiques. Je rentre justement de l'inauguration d'une de ses premières réalisations. La Maison des projets d'avenir a soutenu une initiative rassemblant des entreprises et des travailleurs indépendants pour l'aménagement de nouveaux espaces de travail partagés sur tout le territoire. Ils permettent de limiter les déplacements tout en proposant des lieux centrés sur l'épanouissement au travail. Je dois malheureusement vous laisser, je suis invitée à une réunion du Club local des partenaires économiques. Il travaille sur le développement de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle. Grâce à eux, les synergies et les mutualisations entre entreprises deviennent enfin une réalité sur notre territoire. Le système est donc organisé pour soutenir la créativité et la contribution des acteurs à la transition écologique du territoire. Les valeurs dominantes sont celles de la coopération, de l'entraide et du partage. Chaque individu est potentiellement acteur du territoire et entre ainsi dans une logique de co-responsabilité.